Après l'action en justice menée par les enfants d'Alain Delon contre Iromi Rollin, les projecteurs sont tournés vers celle qui était considérée comme la dame de compagnie de l'acteur, et même sa compagne. Les trois enfants d'Alain Delon ont déposé une action en justice ce mercredi 5 juillet 2023 contre Iromi Rollin, la femme qui s'occupe du comédien, pour abus de faiblesse. Depuis qu'il a subi un AVC il y a près de 5 ans, l'acteur vit dans sa demeure de Douchy, dans le Loiret. L'avocat de la famille a déclaré que son accompagnatrice s'est installée chez lui et se montre de plus en plus agressive, dénigrante et injurieuse envers lui et ses enfants, selon Maître Christophe Ayella cité dans Le Figaro. Anthony Delon a également porté plainte de son côté, accusant la femme de violence volontaire et séquestration sur personne vulnérable, abus de faiblesse et harcèlement moral. Il affirme que les sévices ont commencé il y a plus de 2 ans et qu'il a rassemblé des preuves pour soutenir son action en justice. La situation aurait atteint des proportions telles qu'Alain Delon aurait personnellement demandé à sa dame de compagnie de quitter la propriété. Le parquet de Montargis a annoncé qu'il allait examiner les deux plaintes. Alain Delon sous l'emprise de Iromi Rollin? Hier, en fin d'après-midi, Pascal Pro, proche de la star de 87 ans et de ses fils, a donné des nouvelles de la famille Delon sur Twitter. Les enfants Delon, Anthony, Anouchka et Alain Fabien sont à Douchy auprès de leur père. Je viens d'échanger avec Anthony, heureux que son père Alain retrouve sa liberté mais aussi son chien Lubo. Ce soir la famille Delon dormira dans cette maison qui les a abrités si souvent, a-t-il écrit. Pascal Pro est animateur sur Knou et rejoindra Europe 1 à la rentrée prochaine. En mai 2022, le journaliste avait reçu Anthony Delon qui avait expliqué que son père avait envie de rencontrer une femme. Pascal Pro a révélé ce 6 juillet avoir ensuite reçu un appel de Iromi Rollin. Le lendemain elle m'avait appelé, je suis cette femme je voudrais que vous fassiez un rectificatif. Si est-il vrai que j'avais senti à ce moment-là une sorte d'emprise je sais pas si le mot est juste, mais j'avais été témoin de ça et ensuite tous les textos que j'ai envoyés à Alain Delon, pour lui demander quelque chose. Il n'y a plus jamais eu de réponse. Qui est vraiment Iromi Rollin? Dans une interview accordée à Paris Match en juin 2021, Alain Delon présentait Iromi Rollin, 66 ans, comme sa compagne japonaise qui l'avait aidé à se remettre de son AVC en 2019. Elle l'a soigné pendant des mois, selon les propres mots de l'acteur à TV5 Monde. De plus en plus présente dans sa vie, elle l'accompagnait lors de ses apparitions publiques, que ce soit pour des avant-premières de films ou les funérailles de Jean-Paul Belmondo. Depuis son installation dans le domaine de Douchy, dans le Loiret, en 2019, Iromi aurait progressivement coupé Alain Delon de son entourage, le maintenant isolé. Selon Géraldine Danon, filleule d'Alain Delon, interrogée par BFM TV, après son AVC, Iromi a pris énormément de place. Au point qu'il était difficile de lui parler directement, tous les échanges passaient par elle. Iromi connaissait Alain Delon depuis plus de 30 ans, ayant travaillé avec lui sur plusieurs films français des années 80 et 90 en tant que deuxième assistante réalisatrice, notamment sur le tournage du film Le Retour de Casanova, 1992.